Maintenant, je vais ouvrir un chapitre un peu particulier pour des points précis qui concernent la pratique du jeûne. Donc, comme vous le savez, la Vierge nous demande de jeûner au pain et à l'eau. Malheureusement, aujourd'hui, le pain est un petit peu dénaturé. La manière de cultiver le blé n'est pas celle de nos ancêtres. Et ça peut faire mal à l'estomac, mal à la tête, des maux de tête, etc. Donc, moi, ce que je vous recommande surtout, parce que ça, c'est très bénéfique, c'est de jeûner au pain des pauvres. On en trouve dans les grandes villes. Vous pouvez faire aussi votre pain vous-même sur une petite machine qui ne coûte pas si cher et mettez la farine dedans que vous voulez. Pour vous aider à jeûner aussi, il y en a beaucoup qui sont allergiques ou simplement intolérants au gluten. Donc, prenez des céréales sans gluten, il y en a beaucoup. Vous pouvez retrouver la liste sur Google, ce n'est pas un problème. Et puis, alors, jeûner au pain et à l'eau. Quand il s'agit de l'eau, vous pouvez prendre du thé. Je sais que le père Slavko, qui faisait des retraites de jeûne et prière, donnait à ses retraitants pendant 5 jours du thé, par exemple, ou de la tisane. Voilà, du thé, de la tisane. L'eau peut être chaude, l'eau peut être glacée. Évitez l'eau glacée parce que ce n'est pas bon pour la santé. Mais vous avez la température que vous voulez, bien sûr, c'est ça que je veux dire. Voilà. Maintenant, quel est le rythme de repas? Vous prenez le même rythme de repas que vous avez d'habitude. Au lieu de manger une nourriture normale, vous prenez le pain. Alors, il y a aussi, quand la Vierge est arrivée, les gens de Medjugorje faisaient eux-mêmes leur pain et j'ai vu qu'ils glissaient dedans des petits morceaux d'amandes, des petits morceaux d'olives, des petits morceaux de noix, vous voyez. Et c'est pas un péché de me rajouter. La Vierge n'en a pas parlé, je vous le dis tout de suite, hein, c'est moi qui vous dis ça, de ce que j'ai vu du village. Voilà, c'est pas un péché de rajouter un petit morceau de noix, un petit morceau d'olive dans votre pain lorsque vous faites votre pain. Voilà. Est-ce qu'on doit faire jeûner les enfants? Non, on ne peut pas faire jeûner les enfants au pain et à l'eau, ils sont en pleine croissance. Par contre, on peut commencer à leur montrer que nous jeûnons et pourquoi nous jeûnons, en expliquant bien les fruits du jeûne, pour leur donner l'envie de jeûner et à ce moment-là, ils peuvent renoncer à un ice cream ou une glace, un chocolat, une part de gâteau. Ils peuvent être généreux pour donner quelque chose auquel ils tiennent, voilà. Mais à partir de, après l'adolescence par exemple, c'est encore là aussi, un enfant peut très bien faire des renoncements au moment du repas et c'est à lui de voir, si on lui explique bien le jeûne et les fruits du jeûne, c'est à lui de voir à partir de quand il veut décider à jeûner. Ceux qui ne peuvent pas jeûner parce que soit ils sont malades, soit ils sont trop faibles, eh bien la Vierge recommande que nous fassions l'offrande de quelque chose, la chose à laquelle nous tenons le plus. Ça peut être la lecture d'un journal, ça peut être une tablette de chocolat, ça peut être une tasse de café, ça peut être quelque chose qu'on a l'habitude de faire et auquel on tient. Ces jours-là, donc le mercredi et le vendredi, on peut faire ce renoncement, offrir ce renoncement, voilà. Voilà. Alors il y a aussi pour ceux qui sont faibles de santé, qui ne sont pas malades mais qui sont faibles de santé, eh bien vous pouvez faire ce qu'on appelle un jeûne de miséricorde. La Vierge n'en a pas parlé, là encore je vous le dis, il n'y a pas de message sur les jeûnes de miséricorde, mais ce qu'on appelle jeûne de miséricorde, c'est quelqu'un qui va par exemple jeûner au pain et à l'eau, mais le soir par exemple prendre un fruit ou voilà, quelque chose, un légume ou voilà, quelque chose pour... voilà. Il vaut mieux jeûner comme ça avec un jeûne de miséricorde de ne pas jeûner du tout. La Vierge a demandé sur tout ça, c'est important. Vous voyez, quand vous décidez quel jeûne vous allez faire, vous allez prendre une décision ferme. La Vierge demande que nous soyons fermes dans nos décisions. Alors, elle va nous inviter à garder cette décision. Si vous avez pris cette décision, gardez le cap de cette décision. Ne changez pas selon les jours, etc. Vous décidez quelque chose et vous vous y tenez. Vous voyez. Alors, une chose très importante aussi, c'est que comme le jeûne pour nous Français tous ceux qui m'écoutent, on aime bien la nourriture, on aime bien les bonnes choses, on a les bonnes choses à portée de main, contrairement à certains autres pays. Alors le jeûne demande quand même une grâce particulière, il ne faut pas pas prendre ça comme un dû d'avoir la grâce de jeûner. Je vous invite la veille du jeûne, donc le mardi soir et le jeudi soir, de faire une prière particulière au Seigneur et à la Vierge pour demander humblement la grâce du jeûne pour le lendemain.
en l'exprimant très clairement, oui, tu sais Seigneur que je suis faible, que j'ai des tentations, surtout quand le voisin se paye un bon steak et que les effluves viennent jusqu'à mon nez, alors ça a des tentations. Alors Seigneur, tu sais que je suis faible, mais donne-moi la grâce du jeûne, donne-moi de me tenir à la décision que j'ai prise pour toi, en sachant que cette offrande va aider énormément de personnes dans le monde. Alors la question est la suivante aussi, c'est quel type de prière on peut faire les jours de jeûne, les prières normales, hein. Vous pouvez aller à la messe, vous pouvez faire les psaumes, vous pouvez faire votre chapelet, bien sûr, votre rosaire. La prière reste la même. Simplement, pendant que vous jeûnez, bien essayez de penser à Dieu, d'offrir vraiment avec beaucoup de générosité votre jeûne, mais il n'y a pas de changement dans votre rythme de prière, bien sûr. Vous continuez votre rythme de prière normal et ce jeûne va vous permettre aussi certainement d'avoir une meilleure prière, plus de cœur dans votre prière, ça c'est sûr. Oui. Alors une autre question, la Vierge demande le mercredi et le vendredi, mais si ce jour-là, c'est justement le jour d'un anniversaire, ou le jour de Noël, ou le jour de fête, bien sûr on ne va pas jeûner le jour de Noël, le jour de fête, mais on va remplacer par un autre jour, tout simplement. La Vierge nous dit remplacer par un autre jour. Quand le vendredi, par exemple, tombe un jour de fête, nous, on remplace par le lundi, voyez. Voilà, tout simplement. Là aussi, le Seigneur verra votre générosité, vous trouverez toujours un moyen pour faire ce que le Seigneur demande, la Vierge demande avec tout votre cœur. Alors, la question, c'est qu'il y a des personnes qui pensent que cette pratique du jeûne est totalement insurmontable, c'est trop difficile, qu'ils n'y arriveront pas. Alors, vous savez, cette expression, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas. Cette expression, en général, n'est pas de Dieu, parce que celui qui croit, il n'y a rien d'impossible pour celui qui croit. Et souvent, on se monte la tête en se convaincant qu'on ne va pas y arriver. Donc, déjà, on part vaincu. Donc, il faut partir victorieux et se dire, voilà, la Seigneur me le demande, donc je vais avoir la grâce, donc je vais le faire. Et vous allez essayer. Vous pouvez commencer aussi par faire seulement un repas par jour, les mercredis et vendredis, voyez, ou seulement le déjeuner, seulement le dîner. Quand c'est comme ça, puis vous allez voir que vous n'allez pas en mourir. Ouais. Le jeûne ne fait pas mourir, au contraire. Le jeûne est excellent pour la santé parce que en Occident, on mange 30% de trop. Alors, ça veut dire que le jeûne va assainir votre organisme. Alors, pour les personnes âgées, c'est à la personne âgée de décider. On ne peut pas décider qu'à partir de 75 ans ou 80 ans, on arrête le jeûne. Non, non. C'est à la personne de décider. Si la personne peut encore jeûner, qu'elle jeûne jusqu'à la fin de sa vie. Et si c'est vraiment, disons, dommageable pour sa santé, on peut faire un jeûne de miséricorde pour ces personnes-là. Il n'y a pas de problème. La Sainte Vierge n'est pas un bourreau. Elle est vraiment une mère et elle comprend nos faiblesses et elle essaye de nous faire marcher sur le chemin de la sainteté en nous prenant par la main et elle va toujours nous aider. Pour ceux qui décident vraiment de marcher avec elle, elle va toujours nous aider. La Vierge n'a absolument pas parlé de limite de quantité de pain, ni de limite d'âge. Ce message sur le jeûne est extrêmement, extrêmement clair, extrêmement simple. Alors un message, je terminerai par ce message. Vous voyez que la Vierge, comme je l'ai dit souvent, nous a promis un temps nouveau, un temps de paix, un temps de printemps. Après l'épreuve que nous traversons maintenant, il y aura donc ce temps nouveau où Satan sera incapable d'agir. Et voici le message qu'elle a donné le 25 octobre 2000. « Avec vous, je désire, chers enfants, renouveler la prière et vous inviter au jeûne que je désire offrir à mon Fils Jésus pour l'arrivée d'un temps nouveau, d'un temps de printemps. » Donc, par le jeûne, nous allons hâter l'arrivée du temps nouveau, le temps de paix à laquelle nous aspirons tellement. Cette paix divine que nous n'avons pas aujourd'hui dans le monde, mais qui est dans le cœur de ceux qui sont avec le Seigneur et avec la Vierge. Que Dieu vous bénisse tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.